Sur Instagram, c'est des boules qui manquent un œuf, ok? Et c'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué à gérer. Il faut vraiment que je me mette en couple en ce moment. Tu sais, je sens qu'il faut que je me mette en couple. Et du coup, il faut que je supprime Instagram. Parce qu'il y a... Il y a trop de fesses sur Insta. Ok, c'est compliqué à gérer pour les mecs. Il y a trop de cul. C'est horrible, mais c'est ça que je vois en premier. Après, je vois la meuf. Sur Instagram, c'est des boules qui manquent un œuf, ok? Et c'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué à gérer. Tu sais, comme tous les mecs, je suis faible, je like des boules sur Insta. Okay. Et comme tous les mecs, au bout de 5-6 likes, je me rappelle au bout d'un moment que les gens peuvent voir mes likes. Et je sais pas pourquoi Instagram, ils permettent ce truc, je sais pas pourquoi ils ont mis cette fonctionnalité. C'est comme quand tu likes un truc, c'est comme si tu disais un petit secret à Instagram. J'ai plus de gâteau. Et Instagram, il est en mode, oh les dunes, il a plus de gâteau. Ça veut dire peut-être qu'il aime Gaëtan. Arrête, qu'est-ce qu'il me râle, il va faire caca-caquette. Il va faire caca-caquette à Gaëtan. Comment on dit ça? Je te jure, et quand tu likes trop de boules et que tu t'en rappelles à un moment, il y a deux types de mecs. Déjà, faut savoir que on n'est pas des gros porcs quand on fait ça, on est juste faibles. Ils sont là, et c'est des petits champignons qu'on prend en forêt. On est cul, ok? Et là, il y a deux types de mecs, quand on se souvient que les gens voient le mec. Il y a ceux qui assument, qui sont en mode, j'aime la cueillette. C'est mon truc. Et t'as les autres, les faibles comme moi, qui désespérément se mettent à rechercher des likes convenables, tu sais? Je veux liker des plages, des paysages, un frisbee. Je veux cacher mes likes dégueulasses dans des likes convenables, okay? Et je sais qu'on le fait tous ce truc parce que le jour, t'as un de mes potes qui regardait ses likes et il a liké un arbre. Un arbre nul! Et j'étais en mode, hein? Et tu sais, je lui envoie mon message, je lui dis, vas-y mec, envoie-moi la meuf qui se cache derrière l'arbre. T'as donné une fable de La Fontaine. Derrière un arbre, se cachait un cul. Like-moi, me dit-il. Et il m'a répondu, mais je vois pas de quoi tu parles. J'étais allé en moi. Il m'a dit non, je te jure, j'aime le jardinage. C'est dur à dire, mais je suis fan d'arboriculture depuis tout petit. J'ai dit mec, c'est bizarre. Il m'a dit ouais, je sais, voilà, dès que j'avais trop d'arbres, j'avais pas cul. Ouais, je sais pas, non mais je vais essayer de passer de bonne soirée.